s'en bat les couilles parce qu'il est crevé. Ah, il est crevé au vrai sens du terme, pour le coup. Bonjour, monsieur. Nombreux. Wow. J'entends un mec descendre à gauche. Non? Ok. Olé. Olé. Ah, un pantalon! Maurice! C'est un pantalon! Ok, on va boire un petit coup de pinard. Hop! Au fait, et qui tu joues? Quelle classe? Ah, c'est une bonne question. Vrai pantalon. Oh! Franchement, là, si ça c'est pas un homme, vous me dites ce que c'est. On va regarder. En plus. Là, on le voit bien, là. Avec son torse poilu. Maurice. Ok, il était pas mort, en fait. On m'a un peu menti, là, quand même. Ok, 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 ok. Crevé, mais pas trop quand même. Hein. En vrai, faudrait que je rush jusque là-bas. Donc j'attends qu'il fasse son feu. Qu'est-ce qu'il fout? Oh, ici, ça avait l'air d'être un petit safe spot. Hop. A priori là, je suis safe. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il est vraiment pas content. Ah oui. Il y a un chevalier juste là. J'ai peur moi du coup. Ah bah je me disais bien qu'il était un peu vivant pour un mort. Oh putain. Un chevalier. Dégage. Oh ça va. Oh, le chevalier il s'est barré. Et le dragon s'en fout de moi. Quelques secondes de retard, lui. Oh oh. Yay.
pantalon encore une fois. On va remonter quand même parce que faut pas trop louper les choses. Alors j'ai fait un perso guerrier Dex double katana magie guerrier force croix prêtre c'est ça. Mais t'as jamais fait le mendiant. Hey! Pourquoi je peux pas? Voilà. Putain. En vrai, je lui ai fait quand même assez mal. Hop, petit coup de gueule. Waouh! Son dernier coup, il m'a un peu savaté. Allez, petit coup de gnoll. Dernier. Ok, bon. Du coup, je me dis, si je l'ai pas vu à l'aller, c'est soit qu'il était assis ou dans un coin ou quoi. Soit je l'ai juste pas vu en courant. Je pense que je l'ai juste pas vu. Faites du calme. Le stream finit à minuit, je sais pas. Entre minuit et 1h du mat. Comme d'hab. Ah. Parce qu'il y avait aussi là une échelle. C'est chiant quand il y a trop de chemins possibles. Ouais non là c'est un truc fermé. Ouais il y a juste un mec avec une grosse hache. Easy peasy. Verrouillé. On en parle du fait que j'ai pas pu ouvrir une seule porte depuis le début. Ah, zéro drop dans les caisses. Zéro drop. Couteau de lancer. Couteau de cuisine, couteau de salle à manger. Calme. Bolos. Là vous voyez, un amateur il serait venu tout droit et il se serait fait backstab par lui. Amigo. Okay. La nouvelle épée que j'ai eue là, est-ce qu'elle est bien? Non. Elle est moins bien. Le design de ton perso ressemble un peu à celui de Prince of Persia, l'âme du gars sur PS2 je trouve. Alors, vu de dos, oui. Pourquoi pas? Vu de face, je te présente Maurice. Hein. Voilà. Ça, c'est Maurice. Alors, il y a un passif. Hein, si, comme t'es nouveau, je t'explique.
En gros, dans mon let's play sur Fallout 4, j'avais fait un perso dégueulasse. J'ai demandé aux viewers de le nommer, et c'est le nom de Maurice qui est sorti. Et puis du coup, bah voilà, Maurice reprend du service. Hein. En plus voilà, ça fait une petite rime. D'où le nom d'ailleurs du stream, Maurice Soul. De dos derrière un mur. Non mais genre, attends. Comme ça, tu vois. Genre avec son pantalon un peu en mode pantacourt et son fourreau. D'ailleurs, pourquoi le fourreau il est aussi loin? On dirait qu'il est plus accroché à mon bras. Regardez, il flotte en fait mon fourreau. J'ai jamais fait gaffe. Sprint nécessaire. Ah. Ah bah non. Ah bah si. Bah si, bah si. J'ai pas visé le bon. J'ai pas engagé le bon. Du coup, Equinox, je peux dire que tu m'avais dit à propos du mur, c'est bon. Bah dis-le pas sur le stream, DDD. Tu peux le dire à qui tu veux, mais pas sur le stream. Ni sur Discord. Tu le dis à des gens random, mais... J'accepte pas le spoil. Je suis pas mort, en fait. C'est tout comme, hein. Ok. J'ai eu peur de trop m'avancer dans le vide. C'est idiot ce que je fais. Non, il n'y a pas de feu. Je vais retourner de là où je viens. Faut juste que je réussisse à passer le dragon en fait. Si je passe le dragon, je pourrais repartir au feu et me soigner. Là, il suffit que je fasse une chute de 2 cm et je meurs. Je vous avouerai que je suis vraiment pas bien. Eh hey. Malin. Malin, malin. Et voilà. Ok. Bon. Qu'on refasse un petit peu de route. Mais sur un malentendu, ça devrait passer. Voilà, ça c'est fait.
Ah, je pense que là, ça lui a troué le cul ce que je viens de lui faire. Putain. Je sais pas comment j'ai esquivé ça. Mais bon. Je fais bien le bruitage de la personne qui descend. Tout le monde est mort, là, c'est plus que nous. Ah, mais sérieux, ils sont pas tous morts. Hein. C'est pas passé loin quand même. Et du coup, il se trouve où ce super chevalier Versailles? Ah bah il est là. Igloo, igloo, igloo. Yop, esquive. Wow. Glou, glou, glou. Je vois rien. Merci, Equinox. Et du coup, salut Shamlock. Et je ne sais pas si tu as spoilé volontairement, sûrement vu le titre et vu que tu t'as pas mis un seul message. Si t'arrives et que tu te fais purge, ça veut dire que t'as pas dit bonjour, hein, clairement. C'est que t'étais occupé de dire autre chose. C'est un peu écrit dans le titre qu'il faut pas spoil, donc si tu spoil, c'est que c'est volontaire. Et donc que t'es un petit peu un enfoiré. Ah, c'est un faux spoil. Ouais, mais bon, faux ou pas. Hop. C'est vrai qu'il faudrait que je réussisse à passer là, en fait. Il y a une caisse devant. Ouais, va passer. Eh hey, mais on peut passer là en fait. J'avais pas vu. Oh god. Résine de pain d'or, ok. Alors, qu'est-ce qu'il se raconte enfin, c'est... Okay. Sinon, t'es un enfoiré, je cite le sien. Bah oui, bah écoute. Je sais pas ce que t'as mis, c'est pas moi qui t'ai... qui épurge ton message, donc... écoute, je vois que premier message que tu mets, tu te fais time out. Enfin, tu te fais purge, c'est pas pour rien, tu vois, donc... C'est que t'as fait quelque chose de mal. Et comme c'est ton premier message, heureusement le mec est pas mort. Ok, là on meurt.
C'est pas passé loin, effectivement. J'ai eu un peu peur, je te... Bon. Faut que j'aille récupérer mes âmes, moi. Et avant, faut que je le tue, lui. Salut Jean-Michel Larquet. Mais j'ai pas compris ce que faisait mon personnage. Il a pas voulu. Enfin, il voulait pas taper, il a tapé après quand je voulais pas. Du coup, j'ai plus de soins, c'est génial. Alors. La Corée du Nord a tiré les missiles proches du Japon. Ah, cool. Tu peux pas savoir à quel point j'ai envie de crier quand tu passes à côté d'une zone. Non, mais je sais, il y a la zone du dragon, là, mais... T'avoue, j'ai pas trop envie d'y aller maintenant. Après, si tu parles de là d'où je viens d'aller... T'inquiète, hein. T'inquiète pas. On va essayer de monter un peu, parce que de l'autre côté, il y a l'autre arbre, etc. Ah ben là, voilà. Ah. Appâter la cible. Pas de langue. Titanite, ok. Je me demande s'ils ont refait... C'était dans Dark Souls 1, il me semble. Il y avait un mur. Où si tu... un mur. Un feu. Il y avait un feu où si tu... bah si tu... Si t'arrivais dessus... Bah en fait en face il y avait trois arbalétriers. Et du coup c'était un peu chaud comme endroit. Comment il a fait pour me donner ce coup de couteau, je ne sais pas. Je ne comprends pas. Une zone en moins. T'inquiète Equinox, t'inquiète pas. Double kill. Obligé de prendre ça. Alors là du coup c'est... Et je vois lequel c'est mais... Ça va être compliqué. Reviens, sac à merde. C'est bon. Ok, donc c'est... Ok, donc c'est des gemmes brutes dans le jeu là. C'est pas des machins de diamants. Alors qu'est-ce qu'on a? On a pas mal d'ennemis. Je vais descendre là aussi. D'accord, ok. Là, il y a un mec avec une arbalète. Aïe! Ah, le salaud! Essayez réduire en bruit. Ok.
Attention gauche. Ah, il y avait en face aussi. Salaud. T'es obligé de te prendre un coup si tu viens ici en fait. Amulette du chasseur de machin. Mais genre. Ah, il y a un truc en dessous. What? On peut pas y aller en dessous. C'était quoi son truc là? Il était mort normalement. Chaque fois, il leur reste 3 PV et il réussit. Ah, il réussit à me foutre misère. Et j'ai plus de soins. Il y a Equinox, tiens. Comme toi, t'as fait le jeu. Ou Just, hein, d'ailleurs, si tu sais. Est-ce que dans ce jeu-là, il y a d'autres consommables qui rendent de la vie à part les fioles d'astuces? Parce que ça m'étonne de pas en avoir vu. Il y en avait, enfin c'était le cas dans le 2. Je me disais bien. Une fleur verte. Dans Resident Evil, j'aurais pu faire une potion. Braise droit devant. De ça dont il doit parler. Épée droite d'Astora. D'Astoria. Épée droite de qui? D'Astora. 129 plus 9. 9 plus 25. On verra. Chien, là il y a un gros. Y'a personne sur qui je peux faire un petit finish move là? Plus grand des calmes. Ok. Ah bah je suis full mort forcément. Je ne m'attendais pas à mourir comme ça. Quand tu utilises les braises et d'autres potions. Quand tu utilises les braises et d'autres potions est extrêmement rare. Ok. La phrase veut pas dire grand chose, mais ok, j'ai compris. Ok. Oh le bâtard! Il lance des couteaux. Ok, bah je vais remonter et puis me soigner. Hein. Parce qu'il y avait des genres de petites gemmes dans le 2. Donc le perso il la prenait comme ça, il l'a cassé et ça donnait de la vie. Et on avait des très faible et d'autres plus grosses et mais genre ok bon soit et qu'est-ce que j'allais dire?
Ah oui, et par contre ça rendait pas de la vie comme les fioles d'Estus. C'était pas instant, c'était au fur et à mesure du temps. Il y a pas deux ennemis ici. Après tu as aussi des weapon art qui donnent de la santé au fil du temps. Ah bah voilà, c'est ça. Mais là c'était des pierres et puis... Non. Qu'est-ce que je fais? Elle descend, wesh. Maurice. C'est pas du tout ça. Je sais pas ce qu'il foutait là, lui. Vas-y, approche. Ah, c'est ça, ouais, viens. Ah, oh, bah là, tu es tombé. Ah, oh, il en est pas mort, donc il va arriver. Doucement, mais sûrement. Donc là il me reste le gros là. Après pourquoi ça verrouille pas, putain. Oh, il est là-bas. Si j'ai tout fait, ouais. Pourquoi il fait aucun bruit? C'est le fameux guerrier du silence. Aïe. Non. Ok. Le point positif, c'est que c'est pas tout en bas. Le point négatif, c'est que c'est pas tout en haut. On va commencer comment ? Faut que je vire ça pour avoir un peu d'élan. Ah là par contre ça sera bien en bas. Je m'attendais pas à me prendre une boule de feu. C'est perturbant de ouf. Qu'est-ce qui est perturbant de ouf? Dis-moi. Bon, on va pas se faire avoir. Lui on va le défoncer.
Ok, d'accord. J'ai pas compris. L'ennemi s'en son. Ah oui, oui, oui. Je crois que son deuxième prénom c'était Véronique. MDR.